Et oui, ce serait pas drôle si Charlie démarrait du premier coup. Elle redéconne, la bourrique, elle redéconne. Ah là, faut imaginer des voitures tout le long là. Enfin, des camping-cars tout le long. Et tout le long aussi là, comme ça. Hop. Non, regardez. Ouais, génial. On voit ceux qui ont gagné à la tombola. Hein. Ah, je crois que c'est bon, elle a démarré. Ah non. Perdez pas du temps chez le Van Lifer, bonne étoile. Regardez, on est dans Obélix. C'est Vinciane qui conduit. Comme vous voyez, il y a de l'ambiance. C'est le bordel. Ah là là. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de la Love Car Tribu en direct du toit de GG. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Elle n'a partout du camion. Et ouais, ça y est, c'est le jour J, c'est le jour. T'as dit bonjour toi? Ouais, je préfère. C'est un copain de Louis Car, voilà. Il a un t-shirt aussi. C'est le jour J, c'est le jour de la nomadrie, c'est parti, c'est aujourd'hui qu'on démarre. Voilà, on va aller faire un petit peu d'eau et tout, mais on va arriver de bonne heure sur le terrain. Il y a plein de trucs à faire, c'est pas compliqué, il y a tout à faire parce qu'il n'y a rien. Donc voilà, ça c'est fait et puis voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. Là, ça va être la nomadrie à fond. S'il y en a qui n'aiment pas la nomadrie, faut attendre la prochaine vidéo. Allez, tchuss! Et oui, ce serait pas drôle si Charlie démarrait du premier coup. Elle redéconne, la bourrique, elle redéconne. Écoute, Jeff, ça y est, on ouvre le capot. Il est 8h du matin, déjà le nez dans le moteur. Ouais, et Jeff, il dit que c'est les fils des bougies, en fait, ça prend l'humidité. Et clairement, dès qu'il y a de l'humidité, elle veut pas démarrer, quoi. Parce que dès qu'il y a le soleil qui tape dessus, c'est bon. Ah, je crois que c'est bon, elle a démarré. Ah non. Ah, elle finit souvent par démarrer, mais en fait, c'est le bordel. Ah là là. Allez, on croche la remorque avec tout le matos dedans. Là, tout le monde se réveille plus ou moins. Je peux filmer, Sophie, dès le matin? Bon, on a un petit peu la tête dans le pâté, voilà. Hein. Ça chauffe, ça préchauffe et tout ça, tout ça. Bon, ça y est, je suis arrivée au terrain pendant qu'ils sont partis faire de l'eau. Et du coup, c'est bon, l'employé communal était là, il a tout ouvert, tout ça. Donc impeccable, on n'a plus qu'à, voilà, je vais décharger gentiment les tonnelles en attendant tout le monde. Je vais commencer, j'ai pris mon ordinateur, aujourd'hui je fais bureau mobile. Et comme ça, je vais commencer à faire les mails et tout ça pour cet après-midi, pour me préparer. D'ailleurs, je tenais à préciser, je suis vraiment désolée pour ceux qui envoient les messages. Il y en a qui m'ont envoyé les messages encore pour savoir où c'était, quand c'était. Clairement, là, je suis désolée, j'ai plus le temps de répondre. Vous y prenez un petit peu tard quand même pour certains. Donc, bah, y a des mails, il y a des messages. Là, je viens de voir Messenger, même si c'est un message de lundi. Bah, je l'ai pas vu. Donc, je suis sincèrement désolée. Mais là, clairement, aujourd'hui, vous comprenez bien que j'aurai plus le temps de faire les inscriptions ni rien. Il faut vraiment qu'on prépare. Donc, bah, voilà. Ce sera pour une prochaine fois. Si on a une, voilà. Mais là, clairement, c'est un petit peu juste pour moi de prendre les inscriptions au dernier moment comme ça. C'est trop compliqué à gérer. Voilà. Allez, ça y est, là, il y a la vie rédacteur qui arrive. Donc, on va aller commencer à monter tout ça. Allez, on est en mode traçage des délimitations des emplacements, voilà. Ça va permettre de faire des allées en fait et puis de laisser un accès pompier sur le côté et puis ben, juste un sens de circulation pour les véhicules. On se dispose différemment de l'année dernière, ça va permettre de, comment dire, de faire moins de groupes et donc du coup on va faire deux allées principales de véhicules et on va faire la circulation en fait autour avec les accès pompiers. Comme ça, il y aura les véhicules, au centre les tonnelles, enfin vous verrez tout ça quand on aura mis en place. J'ai deux tonnelles là mais elles vont bouger après. Donc là on trace à la bombe. Alors, ça y est, GG qui arrive. Il a le plein d'eau le GG. Allez, placement de GG. Voilà, on a dit on fait un truc joli. Oh là là, mais non, mais t'es carrément trop loin. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Oui, les lignes et tout ça là.
Et comme ça, on va faire une belle allée. Comme tous les ans, Fifi, s'il a le droit, à sa leçon. Hein? Ah, bonsoir. Ça va aller? T'as tes 3 ceintures? Oui, j'ai mes 3 ceintures, oui. Ah, okay. Il a grandi hein, depuis l'année dernière. Hein. Allez, c'est parti. Tout ça sans caler. Wow! Oh là là! Salaud! Hey, doucement là! Sale gamin! Hey, il a pris de l'assurance là depuis le temps. Hein. Je sais pas comment on freine. Il n'y a pas besoin de freiner. Il y a une grosse butte de terre là-bas. Doucement! Leçon de conduite. Ouais, d'accord. Le frein, c'est au milieu. Oh là 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 là. Derrière le camion, mais laisse-toi une marge de manœuvre. Pas dans le camion. Ah là là. J'ai dit, allez, tu nous ramènes la voiture. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Voilà, oui, il a calé, je pense que c'est bon. Ah là là, non, on a mis un peu de matos dans la voiture. Ça y est, c'est bon? Ah ouais, non, t'as calé, oui, j'ai vu. Allez, ça devient bon. Là, ça y est, ça commence à se préparer. Voilà, ça y est, je me suis posé, j'ai fait ma petite sieste. Vincent a envoyé une mail. Donc voilà, normalement, ça devrait arriver à partir de 17h. Voilà, voilà, Jérôme aussi, ça se prépare. Qu'est-ce que tu fais là? Oh là, regardez. Ouais, ça c'est pour mon petit frère. Ça, ça et puis oh, voilà, regardez, il y a des beaux machins comme ça, je me permets. Hein. Vas-y, vas-y, roule. Je me permets, voilà, trop bien, Mercedes-Benz, c'est le meilleur. Et là, ça pue le bois. Heureusement qu'on dort au-dessus. Ah oui, bah, ça va. Le travail, toi. Donc voilà, ça y est, les drapeaux ils sont installés. Voilà, ça y est, j'ai mis le mien, il est là-bas. Ici, là-bas, voilà, et le vicar il est là-bas, la viaducteur il est là, c'est parti. Et puis là, ça casse la croûte. Ouais. Donc voilà, Fifis aussi il se prépare, il va avoir son stand de crêpes ici. Bon, voilà, c'est pas prêt encore. Là, ça y est, les glacières elles sont prêtes là pour la buvette. Et puis voilà, ça commence à. Voilà, ça y est, ça va partir de là. À de là là-bas. Ah, ouais, et normalement, on va avoir tout aligné ici. Là, ça va faire trop bien quand on va être au milieu. On va avoir toutes les allées de véhicules. Là, ça va être trop fort. Je vois déjà les plans de drone. Là. Ça va claquer. Le top. Voilà, ça y est, on a installé des tonnelles et tout. Impec. On a fait ça bien. Regardez. On vous a mis des piquets de compétition. Voilà. Nickel. Ça le fait. Impec tout bien. Il y a déjà la lumière. Vous avez vu? Ouais. Allez, c'est bon. Ça va gazer. Le petit coin barbecue. Le petit coin barbecue qui va être là-bas. Ici, avec la petite tonne à eau, là, ici, parce que on sait jamais s'il y a des incendies de forêt. Voilà, les petits panneaux qui disent ça de par là. Et là, faut imaginer des voitures tout le long, là. Enfin, des camping-cars tout le long. Et tout le long aussi, là, comme ça. Hop. Là, ici, les toilettes. Et l'entrée, elle se fait tout là-bas. Voilà, le city stade pour les gamins. Et voilà, c'est le top. Allez, ça commence. Enfin, ça va arriver bientôt. On avait oublié un truc. C'est les aussi toilettes. Ça, hein. Ouais. Donc voilà, donc c'est bon. Hop, le papier toilette, les lingettes, on fait le nettoyage, the washing. Voilà. Et tout ça, oui, je voulais dire, tout ça avec la trottinette. Et du coup, comme l'entrée elle est vachement loin ouais, là-bas. Ouais, cette année, du coup, c'est carrément plus loin. Avec la trottinette, ouais, c'est. Ouais, parce qu'on avait concentré l'année dernière à la dinguerie nord, on avait déconcentré plus là-bas. Et là, maintenant, hop, on a mis de tout là. Donc ça fait beaucoup plus loin. Mais on va être plus ensemble. Poubelle. Ouais, là, tu mets. C'était pour ça les sacs poubelles ici. Aussi ici. Ok, vas-y, y a pas de problème. Du scotch, peut-être. Bon, je vais chercher du scotch pour l'attacher. Ça y est, on a géré le gaz. Arthur, il y a des problèmes avec le gaz et tout ça pour faire ses crêpes, je sais pas quoi. Et ça arrive. Wouh! Regardez. Yeah, là-bas, là, il y a encore un camion là-bas, là. C'est quoi, c'est qui, je sais pas. De quoi là, ça y est. Oh, Jean. Je sais pas si vous voyez. Il fait une pause là-bas. Voilà, il y a Bruno qui arrive. Voilà, ça y est, il y a encore du bus là-bas. Non, il y a encore du camion là-bas qui arrive. Impeccable, nickel, ça le fait trop bien, nickel, ça va le faire. Bah, bien sûr, il y en a quand ils arrivent. On les entend, hein? Mais bon, ça va. Ouais, vous voyez, il y a les voisins à côté. Alors bon, ça va, là, c'est la journée. C'est pas bien méchant. La Sophie, elle est prête. Regardez, elle a la jambe sur l'emplacement qu'il faut. Voilà. Voilà. Ici, on met les grands véhicules parce qu'on a beaucoup de place derrière. Et là, Sophie, elle attend Bruno, là. Attention, là. Elle va faire un bisou à Obélix. Hein. Ouais. Donc, ouais, voilà. Ouais, on met les grands véhicules de ce côté-là et les plus petits parce que derrière on a un accès pompier. Voilà, donc trop bien. Ça va le faire. Je vais vous montrer l'accès pompier.
Voilà, c'est ici. Et les pompiers, ils ont dit il faut 3 mètres. Donc en fait, normalement, là, on met que les camping-cars. Voilà, ça ne devrait pas dépasser cette ligne à cette ligne. Voilà, c'est pour ça. Et de l'autre côté, c'est les poids lourds. Voilà, ça va le faire. Regardez, il y a Gribouille qui est ici. Gribouille, il est là. Oui, il est là, Gribouille. Ouais, voilà. Bon, voilà, par contre, c'est le filtrage là-bas. Il y a Jean-Marc et puis... Jérém qui sont là-bas, ils sont en train de filtrer à mon avis. Je sais pas s'il va rentrer. Ah si, ça y est, il est rentré. Oh là là, ce... recule. Non, stop. Là, je m'en doutais qu'elle allait. Allez, top. Trop, ça va pas là. Non, c'est nickel. Super. Je me disais, qui c'est que c'est ces bombasses qui arrivent là, hein? Regardez ça, les belles petites brunettes. Ouh. Eh, je sais pas ce que tu utilises comme shampoing, mais t'as les cheveux vachement brillants, hein. Oui, tu te vides. On a vu les vidéos, j'ai dit, Allez, ça se prépare, regardez-moi ça, là, ça y est, les crêpes, c'est parti. Hello. Alors là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire... On est leur premier client depuis 2 heures, mais t'inquiète, hein. Ah ouais, c'est le premier client. Alors du coup... Ça fait 10 minutes qu'on vient de terminer. Ils ont besoin de faire de la pub. Alors j'ai dit, bah écoute, ça va marcher comme le partenariat. Tu vas... Encore du partenariat. Encore du partenariat, voilà. Moi, je veux bien te faire de la pub. Mais faut que tu me fasses une belle crêpe, genre chantilly et tout ça, avec tout, pour attirer le client. Ouais, je te fais ça. Hein, y a pas de problème, tu me fais ça. Et comme ça, hop, et tu me fais un code promo, les gens, quand ils viennent... Voilà, allez, tu me fais une belle... Tu t'attends quoi, là? Tu fais quoi, là? Non, mais là, c'est bon, ça. De toute façon, tu vas tellement mettre de la chantilly et tout ça dessus que... Qu'est-ce qu'il y a? Parce que toi, ça y est, t'en prends une aussi, toi? Bah ouais, parce que... Ah, ça y est, c'est vos premiers clients, ça? D'accord. Hello. Allez, la bonne crêpe. Et l'ambiance commence, c'est Bribi. Elle nous a ramené les quiches. Pour la petite histoire, l'année dernière, son surnom depuis la dinguerie nord, c'est Madame Quiche. Voilà. Donc du coup, elle a ramené les quiches. Elle a ramené deux quiches. Donc, voilà, les petits mounes qui sont en train de se régaler. Ça va bien? Ouais. Ah bah dis donc, ça la motive. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de son qui sortirait quand même, mais bon. On arrive trop tard après l'apéro. On est en cours d'apéro. Ouais, bah c'est ça, c'est pas assez chaud encore. Ça bouge pas beaucoup. Demain. Non, mais on est que vendredi soir là, ça va attendre demain. Hein. On en peut plus là déjà. Ici on fait moumou ce soir, tout le monde dégage après, c'est fini, la fête elle est finie. Ah bon, à ce moment-là on demande à être remboursé. Ouais. Ah, j'ai la flemme. Ça va les enfants, non? Ils sont occupés. Début de deuxième journée, bon, ça se lève tranquillement, voilà. Ça a bien dormi en général, voilà. Ça va? J'ai pris mon sac. T'as pris ton sac, tu t'en vas? Tu fais quoi? Elle t'a mis dehors, ça y est, elle a compris? Bah oui, c'est normal. Je cherche un camion. Ah ok, j'y vais là-bas. Ça y est, tu l'as mis dehors, il me dit? Il a pris ses affaires et puis... Ah ouais, voilà. Ouais. Ça va bien? Van Life va bien? Impeccable. Ouais, non, ça se réveille tranquillement. Ils sont assez calmes ce matin, hein. Ah bah, hey, tout doucement, tranquille. Bien faire la journée. Ouais, c'est ça, ouais. Alors après... Ouais, voilà, bah, ça continue de... Ça arrive tranquillement, mais bon, là, il est encore de bonne heure, donc voilà, on voit qu'il y a du monde qui est pas très loin, qui devrait continuer à arriver et nous remplir cette jolie rangée.
parti pour le petit marché nomade et on commence par les brésouilles. C'est un nouveau logo en plus, les brésouilles. Ouais, t'as vu ça? Ah, les brésouilles, ils ont une petite chaîne, les brésouilles. Avec les bougies, voilà, Katia. Oui, je vais aller voir ça après, ça sent. Voilà. Il y a le marchand de poissons qui est là. Allez, les gobelets là au bicar. Les ouais, voilà, ouais, il est en route, bicar, je vous dis pas. Allez, pas du temps, chez les Van Leifer, venez au comment il est, lui le mauvais. Avec les petites nouveautés qui viennent tout droit, c'est Fifi et Céline qui nous ont ramené, voilà, de série neuve. Les nouveautés, les petits produits pour l'association, le livre, bien sûr. Le livre, clairement, je pense qu'on n'en aura pas pour tout le monde. Les remèdes. Fifi, bon, je lui tiens son stand parce que le pauvre, il est en train de faire les crêpes là-bas. Les jolis produits de Van Life. Regardez les gravures. Moi, je sais pas pourquoi, Jérémy, il m'a filé celui-là. Je comprends pas s'il y a un signe. Et franchement, super sympa les produits gravés. C'est le top. Hein. Joli comme tout. Voilà. Avec les belles tasses. Même dedans, toutes les. Ouais. Gravées. Regardez ça, la précision. Pop, pop, pop. Et regardez, ils ont fait toute une collection de jolies tasses là. Franchement sympa. Le petit plateau pour se faire servir le petit déjeuner au lit. Donc, voilà. Et en plus, vous pouvez faire des gravures. Et ils font les gravures, voilà. Donc Van Leifer. Là, on arrive chez la virée d'Hector. Tu dis bonjour. Alors, chez nous, bonjour. Chez nous, tout le stand, tout le stand est gratuit. D'accord. Jusqu'à la caisse. D'accord. Hop, voilà, avec les stickers, c'est ça, regardez. Les petits stickers, les petits magnettes qu'ils ont fait. Ils sont cool, hein. Les petits magnettes, voilà. Et les petits stickers. Au top. Voilà, il y a de la personnalisation de produits aussi, si on veut. Voilà, impeccable. Le top. Et là, on a les petits gaulois. Là, c'est les stickers du Gaulois. Et regardez ça. Ouais, regardez. Ah, voilà. Kiffe ta racine, elles sont sympas. Hein, on se demande d'où elles viennent. Ouais. C'est ça. Donc voilà, on fait ce petit moment-là et puis après, on a prévu des petits jeux aussi pour les petits et les grands. Voilà. Et puis ce soir, bah, ce sera Paella. La belle Paella. Comme vous voyez, il y a de l'ambiance. Voilà, les gens sont heureux. Allez, 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 ça se prépare pour la paella. Ça y est, ça y est. Oh là là, il y a la queue, il y a la queue. Oh là là, comment ça la rapetit sur tout ça. Oh là 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 là. Et voilà, Sébastien qui en plus qui fait les entrées, les sorties, les tampons sur les mains. Hop, un petit ticket, pong, un tampon. Là, ça c'est organisation ça. Là, il y a du monde, il y a du monde. Oh, et il y a jusqu'où là, jusqu'au village d'à côté là au moins là. Oh là là. Alors elle est bonne cette paella? Ouais. Oh la tablée toi. Ouais, il y en a, ils ont dit oui mais ils sont encore au saucisson là, hein. Ou au rosé. Du muscat. Non. Elle est bonne. Oh, ça va là. Nickel. Ça va, c'est bon. Ah, c'est bon ça, nickel. Oh, la tablée qui va jusque là-bas. Oh là, il y a une tablée qui a bifurqué là. Oh, il y avait plus de place là-bas, c'est pour ça. Alors, c'est bon mon petit Bernard. Une tuerie. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est délicieux. On dit merci à la cuisine du soleil. Le soleil dans la cuisine, voilà, c'est ça, je crois que c'est impeccable, trop bien. Hein, tu peux rien dire. Ton père, son père lui a mis la tête dans la crêpe, à la gentille.
Ils m'ont mis une montagne de chantilly. T'en as encore? C'est vrai. Partout. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment boy scout là. Hein. Bah oui. Le scoop avec de la chantilly autour de la. C'est ça. Allez, c'est parti pour la loterie. On est en train de tout sortir. Donc voilà, Loïc, il a fait des petits lots. Avec des dans les sacs et tout ça, voilà. Le toilette de chez Trellino. Ah ouais, c'est bon, Jérém n'est pas à gagner cette fois-ci. Voilà, on a récupéré les lots de Globe Wellers. Voilà le bidon, la petite bouilloire. Voilà, la petite bouilloire plate. Ça, c'est la virée d'Hector qui avait récupéré. Ça, c'est les chargeurs de piles. Il y a des petites enveloppes avec des petites choses dedans. Une birédie. Du coup, ça c'est la dashcam. Voilà des emballages. Donc voilà, on a récupéré donc tous les petits colis. La All Power, la Sun Good, avec la Solar Brother. Voilà. Donc voilà, et franchement, je vais compter, mais ça fait un bon nombre de lots quoi. Après. 18 lots, voilà. 18 lots. Faut que j'aille chercher les tickets parce que là, du coup, on peut pas faire le tirage au sort si j'ai pas les tickets. Il me faut un sac. Je vais aller chercher ça, préparer et on va mettre tous les tickets parce qu'il y en a eu un paquet aussi. Voilà. Allez-y, c'est parti. Allez, on commence par une première enveloppe avec des petits lots dedans. Que je sais pas ce que c'est. C'est pas nous. C'est Louis qui sait. Philippe. Country Philippe. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le premier cadet. Ouais, viens devant. Je vais mettre devant. Je voyais des cheveux. Bah non. On a pris la main la plus innocente qu'on ait trouvée. Alors le 58. Willy. C'est Willy. 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 Ah bah voilà. Félicitations. Félicitations. Non, mais vas-y. Il y a juste l'enveloppe. Hein. Il n'y a même pas le timbre dessus. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Bou. Bou. 86. Bou. Bou. Bob. Bou. Bou. C'est Boubou. C'est toi, Bou. Bou. C'est Boubou. Non. Ah oui. Ah bah oui, oui. Ok. La source. T'as des chaussettes de crotte. Hop là, une paire de gants et le stylo. Alors le 33. Brésouville. 33. Brésouville. Brésouille. Ouais, Brésouille. Allez Nicole, tu vas manger de la nourriture pour les randonneurs, c'est ça, de chez Biridi. Voilà, c'est des repas utilisés pour les gens ouais. La bouffe est faite d'avance. Voilà, c'est exactement ça. Bon, il y en a qui sont abonnés au lot crotte. Voilà, à la... J'avoue ça, t'as vu dans le règlement, c'était interdit. Hein. Je suis désolée, mais bon, on n'est pas claquettes chaussettes, mais on n'est pas loin quand même. C'est pas des claquettes, ça va. Elle a regagné des chaussettes de crotte. Tu penseras à nous cet hiver, t'auras les pieds au chaud. Pam's Family. Pam's Family. Il y en a qui ont acheté les carnets entiers. Une dash. Faut que tu reviennes ici parce que c'est... Oh, oh. Si on te dérange, faut le dire, hein. Numéro 22. T'as encore gagné. C'est dingue, non mais tout le monde fait des doublons. Mais, pourtant, on a bien remué, ouais. Je reste là au cas où. Allez, tu remues bien. Tu remues bien, tu remues bien. Hein. Non, et là, attends, c'est pour quel lot? Attends, attends. Bah là, il y a la batterie. Batterie. Pour la batterie All Powers. Ah, on commence à taper dans du lourd, là. Allez. Le numéro 4. Oh là là. Mini et Joe. Yeah. Ouais. Bah, cachez votre joie. Essaye de les changer contre le coussin chauffant. Tu préférais les chaussettes de
Ouais. Ensuite, on fait quoi? Trélino, vas-y. Alors là, on part sur le Trélino, le caca qu'il vous faut. Toilette sèche à séparation. Il y a les chaussettes dedans? Non. Non, par contre, il y a déjà un popo. Il fallait le tester. Oh, moi, tu sais où va les vidéos là-dessus. Oh, merci Trélino encore. Alors. Numéro. 57. Antoine. Je voulais pas du chiot. Antoine. 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 Bravo, maintenant pour le signer. C'est gagné. Et voilà le dernier lot. C'est un four solaire. Voilà, four solaire de chez Brother. Ah bah tu l'as caché. C'est quand même beaucoup plus joli. C'est leur sister. C'est leur sister. Ouais, si, je pense que tu vois. Alors, le numéro complémentaire est le. Roulement de tambour. 37. Hey c'est Valou. 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 C'est belle maman. Et l'année dernière, t'avais aussi raflé le premier prix. Eh, ça fait deux années de suite, c'est louche quand même. Hein. Bon. Bah oui. Je l'avais dit. Merci à tout le monde. Oh la vache. Non, c'est pas une vache, c'est un four solaire. Non. Enfin, si, tu peux la cuire. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Non, regardez. Ouais, génial. On voit ceux qui ont gagné à la tombola. Hein. Oh le top. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre, non? C'est la vache. Elle fait des photos du coup. Génial. Nous sommes dimanche. Ça va Sophie? Tu tiens le choc? Moi ça va. Quand je vois la tête des autres, j'ai meilleur. Ouais, c'est vrai que. Ça... Bah, pourtant hier soir c'était soft, hein. Faut pas coucher tard et tout, hein. Ouais. Là voilà. C'est le petit déj là. Alors du coup, il y en a qui ont un petit peu de mal à se réveiller. Mais bon, ça va tranquille. Hein. Bah, ça, et il est 9h. Hein. C'est vrai que pour le coup là, il est 9h. À peu près, peut-être un peu plus, mais bon, pas beaucoup plus. Voilà, donc tout le monde arrive pour le petit déj offert par l'association. Voilà. Ah, il y en a qui ont des petits yeux. Hein. Et je crois qu'on est les derniers couchés. Nous. Ouais, on n'a pas vu. Hein. Allez, Zou. J'en profite, voilà, d'avoir un petit peu de temps pour vous faire un tour de tous les camions et tout ça qu'on a à la Nomadrie. Bah, Van Lifer, la Vier Elector, hein, voilà. Il y a aussi Fifi et Céline, le petit Marco de Joe Baroud. Ah, le bus, vous l'avez peut-être déjà vu. Hein. Ah, attendez, je fais la corde à sauter avec le chien. Hop. Et voilà des beaux véhicules. La Centrek Family. On est dans Obélix. C'est Vinciane qui conduit. Nickel. Qui c'est qui me ramène mon bus là? Bah, ah, tu te mets pas au milieu? Non, il a dit entre les deux. Entre les deux. Oh là, ouais, en plus, c'est du challenge. Eh, non, elle se débrouille bien. Eh, elle travaille. Eh, tu te débrouilles mieux que moi. Hein. Ah, bah ouais. Moi, j'aurais peur, moi, parce qu'elle porte à fond à l'avant et tout. Ils sont tous là en train de regarder.
Bah alors, on attend pas Patrick. Ah là là. Ouais, faut mettre des... Faut être un peu plus... Tac. Tac. Voilà, là normalement, je pense qu'elle est bonne. Oh ouais, elle se débrouille bien. Oh la vache, toi. C'est bon, tu peux travailler à la RATP. Non, faut prendre la ligne. Mais la ligne, laquelle ligne? La ouais. Ligne, elle est devant. Ils ont dit stop. Non. Ah ouais. Elle veut même l'aligner. Bien. Je suis en... Ah non, c'est la 2 qu'il faut passer. Ouais, la 2. Putain, c'est trop... Ça, c'est pas facile, ça. Là, franchement, elle gère bien parce que franchement... Ouais. Ils ont dit stop. Regardez. Non. Faut tirer la tirette pour. Là, elle va reculer encore. Ah, elle est très perfectionniste. Ah ouais, en fait, tu l'alignes bien droit, ouais. Nickel. Ah d'accord. Je suis à peu près dans tout. Hein. Ouais, ouais, même il très près. Que tu klaxonnes. Ah, y'en a qui veulent que tu klaxonnes. Non, c'est le petit interrupteur là. Ah non, non, il y a les voisins. Allez, c'est bon. Alors, ouais. Vos impressions d'avoir conduit un S. Bah, franchement, ça va. Bah, c'est les vitesses. Hein. Ouais, les vitesses, c'est pas voilà. GG. Hein. Bon, alors, allez, c'est bon. Attends, on est je suis en point mort au moins, c'est sûr. Non, à mon avis, t'as une vitesse là. Comment, comme ça? Ouais, si ça fait ça, c'est que t'es. Ouais, c'est... Ok. Et là, le frein de partant. Tu mets un coup en arrière. Voilà. C'est bon. Bien, j'aime. Et voilà, ça y est, je viens de fermer le portail. Ça y est, c'est fini, je déclare la nomaderie 2023. Non, je sais pas comment on peut dire. Officiellement fini. Voilà, ça y est. Bah, il reste encore un petit peu de monde là. Voilà, ouais. Parce qu'il y en a 2-3 qui ont bu. Il y en a 2-3, voilà, ouais. On devait aller au terrain et arriver là. Bah, du coup. La mairesse, après, la, madame le maire, on dit, a préféré qu'on reste ici surveillé parce qu'en fait, il n'y a personne pour. Voilà. Normalement, le stade, il y a une remorque. Les employés communaux, ils remettent une remorque devant la barrière pour bloquer plus ou moins l'accès. Et du coup, bah là, on est dimanche. Les employés communaux, ils ne sont pas là. Donc, madame le maire nous a demandé si on pouvait continuer à squatter le terrain pour la nuit de dimanche à lundi. Donc voilà, donc du coup voilà pourquoi on est encore là. Et du coup les copains, et bah voilà, ils sont encore un peu ici. Donc voilà, bah ouais, bah normalement ça c'est fini. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo et puis bah à la prochaine. Allez, ciao, bye.